Bonjour. Là où ça saute bien, c'est si tu longes ici et tu tapes au bout. Mais fais gaffe parce que c'est un peu en pente. Donc il part un peu en vrille. Ah mais c'est parce que t'as l'autre roulette. Moi j'ai mis les pignons métal dans le cerveau d'origine. Et c'est bon, ça réagit beaucoup mieux. Ouais, parce que ça change la démultiplication. Sinon, bon, après le truc, c'est qu'il y a aussi le sauf. Si tu prends le cerveau option 2085X, ouais, tu as le ressort de sauf-cerveau renforcé et la biellette renforcée. Ça va tourner mieux. Ouais, c'est ça l'avantage. Parce qu'après, mine de rien, les pignons c'est 30-35 balles, le ressort et le truc c'est 20 balles, donc t'as 55. Ouais. Et pour 40 de plus, t'as le cerveau complet. Donc. Il est où Nico? Ah, elle est accrue. Ah! Fais le plein. Ouais. Il est où le petit? Ah, il est là-bas derrière. Ah oui, tu m'étonnes. Ah mais c'est ça qui est sympa avec le X-Max, mine de rien, tu vois, tu fais une bonne autonomie. Hein. Ouais. Le petit avec le chien, il a fait 35 minutes. Ouais, tu vois. Et il est pas bien. En fait, comme t'as dit dans la vidéo, une nouvelle batterie, j'ai été étonné, le tracteur, il est 57. Ouais. Ouais, ils sont bien. Hein. Je reviens sur la longueur. Ah, oh, moi je veux rien toi. Non, je ne veux pas avoir dit envie. Suicidaire. Le roi lui. Allez. Magnifique. Ouais, c'est pas Big Mama, celui-là est le moteur d'origine. Avec l'autre, tu fais du flip. J'arrive. Yeah.
Oh, le Max comme il passait pour la face. Tu vois ça, tu peux faire qu'avec le X, Max. Ouais, oui, c'est vrai, hein. T'arrives comme un cochon, tu réfléchis pas. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait une trace dans ton slip? Non, pas du tout. J'avais pas vu. Pas vu. Moi j'étais juste bien là, fallait que j'aie une trace. Papa, oui, lui il a stressé. Mais il a déjà failli s'en prendre. Hein. Ah oui. C'est pas grave, il est assez costaud, il encaisse. Il aura un petit bleu une semaine, c'est tout. J'ai vu le chien. Oh, j'ai attendu trop tard. T'as un petit bruit aussi. Ouais, un groupe. Ah, c'est une branche. C'est aussi les batteries Traxxas, c'est là. Non, mais c'est les tiennes. Ah. Oh, ça devrait aller avec le Jens. T'as oublié de les charger. Bah non, je vais les contrôler avant. Attends, je vais éteins-le, rallume-le sinon. Peut-être il s'est mis en lock stop sur un coup, tu sais. Si tu bloques les quatre fers, brutal, le vario il a une sécurité. Non, tu peux pas avec le bouton, il faut débrancher. Ah ouais? C'est écrit en gros dans la notice, je le dis dans toutes les vidéos de Traxxas. En plus, il a la notice, hein. D'origine, il y a une étiquette rouge sur la prise où c'est écrit. Tu crois pas le nombre de gens qui m'écrivent « Ouais, j'ai X-Max 9, le vario il déconne, qu'est-ce que je dois faire? Je peux plus éteindre !» J'ai dit « Mais c'est écrit en gros en rouge dessus, faut débrancher pour éteindre !» Ils ont fait ça pour éviter de tu sais, que les gens qui restent branchés, parce que ça, les lipos du coup elles descendent à zéro, elles sont mortes. T'oublies une fois les lipos, elles sont poubelles. Hein. Allez. Excellent. C'est bon? Ça remarche? Yes. Ah, mais c'est bon. Ouais, y'a qu'un clic, Max, tu peux faire jouer à saute moto comme ça. Moi j'aime bien jouer à saute moto. Dans tout ce que tu dis, tu reviens toujours. Hein. X-Max pour toi, c'est top. Hein. Ah non, de dos. Ouais, ouais, donc elles se mettent en coupure. Mais c'est les 60C ou les 50C? Ouais, donc ça devrait aller. Non, à mon avis, il y a eu un bug de charge, à mon avis.
Bon, faut juste qu'il plante le panneau ailleurs, là, parce qu'à un moment on va. Ouais. Bon, au panneau et aux indications. Répétition ou un crochet, un petit croquet. Petit coup de disque que j'ai la brochette. Dans leur mer ailleurs, ni vu ni connu. Ouf, là j'aurais dû. En fait j'aurais dû rester sur les grâces, tu vois. Non, tu dis ça va aller, ça va pas aller. Et tant que tu réfléchis, c'est trop tard. Sur celui-là, j'ai exprès descendu la roulette. Et tu vois, ce qui est débile, c'est qu'il perd pas l'équilibre. Hein. Tu prends le virage, tu sautes en dévers, le truc. Le XRT, quand t'es comme ça, il fait. Continue. Ah mais comme ils avaient calculé l'équilibre avec les batteries en haut, tu sais, au milieu, c'est les batteries qui te. Et l'autre il a les batteries plus bas donc il peut pas. Quand il est en train de pencher, il... c'est trop. Voilà. Mais ça dépend de l'angle que tu tapes la butte. Hein. C'est pas. Joli. La même que moi avant, t'as vu. Dommage. Eh hey, ça compte, oh, ça compte. Back et double flop. Un back flip flop, ça s'appelle ça. Ah, il y a la mousse qui est sortie, regarde. On va se calmer un peu, hein. Finir la batterie. Ah, j'ai des roues de secours avec. J'ai des roues de secours. Alors ? Elles sont vides ? À combien ? Ah oui, donc t'as oublié de charger, c'est ce que je dis. Ah, mais j'ai pas trouvé avant de partir, peut-être les mauvaises. Ouais, ouais, je fais aussi souvent ça. Tu contrôles trois fois la même paire, et t'en as qu'une chargée et deux vides en fait.